Ferme de la Harpe s'est vu confier une nouvelle structure il y a maintenant quelques années par la ville de Rennes. Cette structure qui est en construction, c'est la maison de quartier de Borgard, ou sur le quartier de Borgard, qui a déjà un nom, elle s'appellera le Cadran. L'association Ferme de la Harpe, qui jusqu'à maintenant gérait deux équipements, la Ferme de la Harpe et la maison du parc, a décidé de se doter d'une nouvelle identité pour rendre un peu le projet plus transparent. Cette nouvelle identité, c'est Trois Regards, donc c'est le nom de la nouvelle association. Partant de ce principe, l'association a donc décidé, en changeant de nom, de revoir aussi forcément toute la ligne graphique et toute la communication. On a souhaité déjà créer un nouveau logo pour cette nouvelle association, la Trois Regards. Pour le travail de ce logo-là, l'idée c'est de s'inspirer d'une typographie qui a été créée par un artiste dans le cadre du 1% culturel du bâtiment Le Cadran. Cette typographie-là s'appelle Le Cadran, c'est une typographie très rectiligne basée sur une idée de sangle comptant pour dessiner des lettres. Donc cette typographie-là va se retrouver au centre du travail notamment des logos mais aussi de la ligne graphique. Et l'idée c'est de créer un logo général Association Trois Regards mais aussi des logos qui déclineraient de ce logo-là général, chacun à destination d'une structure. Forcément, ce travail de nouvelle ligne graphique va aussi de pair avec la création d'un nouveau papier en tête, de nouvelles cartes d'adhérents, de nouvelles cartes de rendez-vous, des cartes de visite, d'un habillage de site internet, mais aussi un travail sur une communication à grande échelle sur l'agglomération rennaise pour annoncer l'ouverture et l'inauguration de ce nouvel équipement, le Cadran. Au cours de mon premier stage, j'ai été chargé d'apporter une nouvelle identité visuelle à l'association Trois Regards et d'annoncer l'ouverture de son nouvel équipement, la maison de quartier Le Cadran. Pour bien m'approprier cette demande, j'ai dû effectuer de nombreuses recherches sur l'association, son histoire, ses projets futurs, ses valeurs, afin de parfaitement l'identifier. Ça a été vraiment intéressant de découvrir un univers que je ne connaissais pas et ça m'a permis de m'investir au maximum dans le projet. Au niveau des tâches que j'ai réalisées, on m'a laissé une grande liberté de création. Je m'occupais des documents techniques, mais aussi de l'élaboration des messages. Je faisais vraiment partie du projet et c'était motivant. J'ai pu développer ma créativité, me perfectionner sur les logiciels et apprendre à réellement gérer un projet.